c'est le feu dans les enquêtes paranormales. On fait les états des lieux, rien ne nous fait mal. Le pod, le cas de poser par terre, la gosse replay. Eh ben c'est pareil, on commence, on se présente. On prend le temps, on pose des questions doucement. Que ça soit chez des particuliers ou dans des endroits abandonnés, on va pas laisser tomber la vie d'un enquêteur. C'est aussi une solitude car on ne peut pas partager nos doutes et puis nos inquiétudes. On doit rester fort, garder la tête haute pour affronter la vérité, ne pas perdre la route. On est des apprentis accompagnés par notre pote. On est des vainqueurs, on devient des explorateurs. Voilà la vie d'un enquêteur, c'est de chercher sans avoir peur. S'il y a une vie après la mort, on attend cette réponse sans effort. Qu'il y ait une entité qui nous dévoile sans aucune difficulté grâce au matériel posé. S'il y a une réponse, c'est une victoire gagnée. D'ici là, il faut continuer à chercher. On ne perd pas une seconde. Malgré tout, cette passion est de partout. Il n'y a pas de fake chez nous, car derrière chaque lieu, il y a une histoire à raconter dans ma nouvelle série. Vous pourrez nous retrouver avec le sourire. Ensemble, on va résoudre ces énigmes. On est curieux, ensemble, on va s'amuser. On ne peut pas s'ennuyer, ma pote fait des blagues. On est ensemble, on s'éclate, on le prend à la rigolade. On n'a pas peur, on joue les acteurs, c'est moi le réalisateur. On le fait avec le cœur, voilà la vie d'un enquêteur. On le fait avec le cœur, ouais avec le cœur. Voilà la vie d'un enquêteur, c'est de chercher sans avoir peur. S'il y a une vie après la mort, on attend cette réponse sans effort. Qu'il y ait une entité qui nous dévoile sans aucune difficulté grâce au matériel posé. Voilà, c'est terminé, je vous ai raconté la vraie vie d'un enquêteur paranormal, rien ne nous fait peur. L'adrénaline qu'on a à chaque fois, nos enquêtes c'est une histoire familiale. C'est à peu près comme un film d'horreur.